Une véritable fourmilière. Des milliers d'enfants chassent les œufs de Pâques. Hein ? Tu veux dire que tu planques des œufs pour des enfants dans une fourmilière ? Mais c'est pas gentil, ça ! Ou alors... Ou alors, c'est que c'est pas une véritable fourmilière, peut-être. Vous voyez, je me retrouve tout seul dans ce magnifique laboratoire qu'on a, où normalement c'est une véritable ruche avec tous mes ouvriers, mes apprentis. Oui, ça doit être ça, oui. Là aussi, c'est sans doute pas une véritable ruche. Ouais, parce que dans une véritable ruche, il y a des abeilles en général. Enfin, il me semble. Parce que, bon, soyons clairs, véritable, ça veut bien dire vrai, non ? Attends, je regarde. Attends, je vais regarder, on va voir le cœur net tout de suite. Je prends le dico. Véritable. Voilà, véritable. Qui est authentique, conforme à la réalité. Ben, c'est ça. Se dit d'un objet qui est réellement ce qu'on dit qu'il est. Ah ben oui, c'est clair, non ? Bon, dans une véritable ruche, il y a des abeilles, pas des ouvriers. Dans une véritable fourmilière, il y a des fourmis, pas des enfants. Les sous-sols de l'Île-de-France sont un véritable gruyère. Ah bon ? Ça doit être pour ça qu'on y fait souvent des raclettes, alors, dans les sous-sols de l'Île-de-France. Un véritable gruyère, non, mais je rêve. C'est un lieu central, hein, vous voyez ? C'est un véritable poumon vert de la ville. Oui, oh, alors ça, ça doit pas être très joli à voir, ça, un véritable poumon vert. Bah, ouais, ça fait pas envie, hein. Oh. Ou alors c'est peut-être que véritable dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas vrai. Ce serait véritablement faux. Ah bah non, mais c'est pas possible, mais je deviens fou là. Comme la rue qui devient parfois un véritable parcours du combattant. Ah ouais, alors si dans la rue il y a des obstacles à franchir, hein, des planches à escalader, des fossés à sauter, des barbelés sous lesquels il faut ramper, alors oui, c'est un véritable parcours du combattant, comme à l'armée. Sinon, bah c'est juste un parcours du combattant. Ou une sorte de parcours du combattant. Ou comme un parcours du combattant. C'est une véritable standing ovation, comme on dit, qui a été offerte hier soir. Ah ben là, c'est correct, dis donc. Ouais. Une véritable standing ovation. Ben, pour autant que les gens soient debout pour applaudir, bien sûr. Ah, oh, merci. Oh non, c'est gentil. Non, ben, vraiment, merci. Oh, j'ai fait que vous donner ma langue, c'est tout. Rock and roll music anyway.